Salut, dans cette vidéo, on te présente l'essentiel à savoir sur la CPGE MPSI, autrement dit la prépa mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Comme son nom l'indique, une CPGE, une classe préparatoire aux grandes écoles, te prépare en 2 ans à passer les concours d'entrée aux grandes écoles. En choisissant la CPGE MPSI, la filière la plus orientée vers les mathématiques, tu vises une entrée en école d'ingénieur ou en école normale supérieure. À l'issue de tes 2 ans de formation, tu valideras 120 crédits ECTS, une équivalence Bac plus 2 qui te permettra d'intégrer une formation supérieure directement en 3e année après ton concours ou sur dossier. La CPGE MPSI est une prépa scientifique qui s'adresse plus particulièrement aux bacheliers de la voie générale. Pour la suivre à l'Institut Emmanuel d'Alzon, il est recommandé d'avoir suivi les spécialités mathématiques et physique-chimie et ou sciences de l'ingénieur en première et en terminale. Cela reste les matières phares de cette formation post-bac. Et même si elle n'est pas obligatoire, l'option mathématiques expert est un vrai plus. Le rythme de cours est assez dense, environ 30 heures par semaine de cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. La charge de travail personnelle est assez importante, notamment pour la préparation des devoirs surveillés et d'écoles hebdomadaires. En prépa, pas de grands amphis. Tu suis tes cours sur un campus dans une promo d'une 50aine d'étudiants. L'Institut Emmanuel d'Alzon est d'ailleurs très attaché à la bienveillance et au suivi pédagogique de ses étudiants. Un encadrement personnalisé qui permet à chacun de révéler son potentiel afin d'intégrer au moins une école qui lui ressemble. La CPGE MPSI se déroule en 1 an avec un tronc commun d'enseignement et le choix d'une option au second semestre, informatique ou sciences industrielles de l'ingénieur. Celle-ci déterminera la voie de prépa que tu suivras en 2e année. Soit la prépa mathématiques physique vers laquelle tu pourras t'orienter si tu choisis l'une ou l'autre de ces options comme le propose l'Institut Emmanuel d'Alzon. Soit la prépa physique et sciences de l'ingénieur seulement si tu choisis l'option sciences industrielles de l'ingénieur. À l'issue de tes 2 ans de classe prépa, tu pourras passer les concours correspondants à ton option. Tu vas suivre un tronc commun avec beaucoup de mathématiques, physique, mais aussi de la chimie, de l'informatique et des sciences industrielles de l'ingénieur. À ce socle d'enseignement scientifique et ton option viennent s'ajouter des cours de français, de philosophie, de langue, de sport ou encore des TIPE, travaux d'initiative personnelle encadrés. À l'Institut Emmanuel d'Alzon, tu vas également préparer et passer ton TOEIC, ta certification PICS, suivre une préparation aux épreuves orales et faire des mises en situation concrètes de concours. Tout pour être bien préparé le jour J. Pour candidater en CPGE MPSI, tu dois passer par la plateforme Parcoursup et formuler tes vœux en respectant le calendrier officiel. Spécificité des vœux en prépa, tu pourras formuler tes vœux avec ou sans internat. C'est une formation sélective qui se fait à partir des éléments de ton dossier Parcoursup. L'Institut Emmanuel d'Alzon, par exemple, regardera l'ensemble de tes moyennes en première et en terminale avec une attention toute particulière sur les matières scientifiques, tes résultats aux épreuves anticipées du bac et les appréciations de tes professeurs et l'avis de ton chef d'établissement mentionné sur la fiche à venir. En lycée public, il n'y a pas de frais d'inscription en CPGE. Si tu suis cette formation en lycée privé sous contrat d'État, alors le prix dépendra de ton établissement. C'est le moment de participer aux journées portes ouvertes organisées par les lycées pour poser toutes tes questions et visiter les campus, les internats et les résidences étudiantes comme le propose l'Institut Emmanuel d'Alzon à Nîmes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter, partager et à t'abonner. Et pour plus d'informations, retrouve tous nos articles sur digischool.fr. À bientôt !